l'IAV, un institut technique viticole, et nous avons été confrontés il y a quelques années à un problème qui touche un cépage emblématique pour la région, la Syrah. Donc le dépérissement de la Syrah, et nous avons, en utilisant les techniques proposées par FIV, pu proposer à l'agrément des clones non sensibles à ce dépérissement. Nous avions un problème de fertilité sur une espèce que nous travaillons. Nous avions essayé les différentes solutions à notre disposition en sélection végétale, mode de culture, mode de croisement, etc. Et nous n'avions aucun résultat. Donc il fallait absolument essayer de comprendre et trouver où se trouvait le point de blocage. À la suite d'une erreur d'interprétation en microscopie à l'analyse d'un lot de gomme arabique destiné au secteur pharmaceutique, un de nos clients avait bloqué le lot pour non-conformité. Nous avons soumis les clichés au professeur Verdeil, au CIRAD, lequel a contredit les résultats d'analyse permettant de débloquer le lot et nous permettant donc de le vendre en Suisse pour application pharmaceutique. Ce qui nous a très intéressé dans cette collaboration, c'est d'abord l'écoute et la disponibilité de la plateforme, vraiment intéressée par nos problématiques et désirant vraiment y trouver une solution. Ensuite, certainement, on recollaborera avec la plateforme pour valider les pistes que nous allons mettre en œuvre pour solutionner nos problématiques. Et ensuite, on a certainement d'autres projets parce que je pense que l'imagerie nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc on vous fera bénéficier de notre expertise et on organise également des formations, comme des formations en anatomie végétale pour lesquelles on a une grosse expérience et un savoir-faire qui est issu de 80 années de recherche et un savoir-faire qui s'est transmis de génération en génération et qui a été conservé au niveau de notre plateforme FIV. Donc je vous dis à bientôt, vous serez toujours les bienvenus sur FIV et merci à vous.